Je cherche tout dans le nom de Jésus. C'était la joie, c'était la grâce pour nous rassembler. Bonjour, bon après-midi, pasteur Patti, pasteur Omi, et tu qui peux écouter nous live. Gloire à Dieu, laisse-nous rigoler. Merci Seigneur, merci Jésus. Ça va, je te dis bien? Bien, la santé, bien. Gloire à Dieu. Tous les mercredis, nous pouvons faire l'étude de la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Et nous pouvons continuer à nous. C'est sous forme de l'église, nous disons Seigneur Jésus, j'ai de bonnes oreilles, attentives à de la voix. Qui te parole, et encourage-nous, et fortifie-nous, et bénis-moi. Seigneur, corrige-nous, là quand nous devons mal faire, et encourage-nous, dans tout ce qui nous fait faire bien. Merci Seigneur, pour commande, pour pensée, pour l'équerre, pour l'attitude, mon âme, pour émotion, pour une captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu mercredi. Nous pouvons passer un très bon moment. Nous pouvons faire l'étude dans le livre de Ruth. On arrive au quatrième épisode, si vous pouvez dire. Et je crois que le Seigneur nous réserve des grandes choses. Alors, déjà, fait que moi, tu peux dire avant qu'il nous passe dans Ruth chapitre 4. Ruth chapitre N, s'il vous plaît. Ruth chapitre N. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ruth chapitre N et le verset 20. Ruth chapitre N et le verset 20. Bien sûr, ceux qui étaient là dimanche à l'église, notamment Jean Thibault, me pourraient mettre l'emphase sur l'heure de nos études. S'il vous plaît, enfin, quelqu'un se dit, ah, pasteur, on prend beaucoup l'exemple de l'Ancien Testament. Mais bon, dis-moi comment comprendre ça fait. Par exemple, dans le Nouveau Testament, quand la Bible dit, tu as besoin de patience. Jésus dit, tu as besoin de patience. Mais là, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup l'exemple de qui tu veux la patience. Ne pas capable de passer le Nouveau Testament ou bien passer l'Ancien Testament. Par exemple, quand la Bible dit te planter, te pour récolter. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples de Dieu qui me parle de récolter. Tout était de besoin. Amen. Dans Ruth chapitre 1 et le verset 20. Il y a les mots, Jemima. Jemima. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ok, dans ce verset-là, vous savez, c'est pas bon Dieu qui rend avec l'amertume, hein? Il est vrai que c'est un verset la Bible, il est vrai que ce verset-là décrit bon Dieu remplis-moi avec l'amertume. Mais ce n'est pas inspiré de Dieu, ce n'est pas mon Dieu qui remplit avec l'amertume. C'est un démon qui me causait là-bas. Il ne fallait pas me dire, ah, on remplit avec l'amertume, on voulait dire bon Dieu qui met ça l'amertume à l'homme pour les autres. Bon Dieu qui ne met pas l'amertume à la personne. C'est une conversation qui est retenant et conversation-là fait une récorde. Il n'est pas veut dire les vrais ce qu'il vient de dire. Et pourtant, nous comprenons ça. Il paraît que moi, dans la Bible, il y a une conversation qui Satan t'y causait. Ça ne veut pas dire bon Dieu qui cause à travers Satan. Non, c'est Satan qui causait. D'accord là, on devait faire une étude et on peut donc comprendre tout ça. Là. Alors, maintenant, on va être dans la Bible de 1 Samuel, chapitre 1 et le verset 9. Nous trouvons dans Ruth, chapitre 1, le verset 20, nous trouvons Ruth, c'est bien nous qui appelle l'amertume. Et dans ce mot, l'amertume là-bas. Là, nous prenons notre exemple, notre madame, l'ici de sur la vie qui a l'amertume. Nous trouvons ça dans 1 Samuel, chapitre 1 et le verset 9 et 10. Et là, du coup, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Sidée, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des hauteurs du temple de l'Éternel.
Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alors là, là ça m'a donné l'amertume de celui qui a, mais c'est moi qui l'ai fait, l'ai prié. Et le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ok. Regardez, de la Bible, il a dit madame, tu l'as dit, tu passes par une circonstance personnelle dans ta vie. Elle l'a lit, il n'a pas si l'eau. Si l'eau partit loin de la côte Benjamin, la côte Ruth, et qu'il met les petits dires, si l'eau partit loin, si l'eau s'y prit. D'ailleurs, vous trouvez Anne, les tirouets sur lesquels, que l'ange de l'Alliance. Mais il y a un bouton, on comprend l'ange de l'Alliance, c'est fini, rangé dans l'époque Moïse. Bessorier peut venir même dans l'époque de Josué, Bessorier peut venir même dans l'époque de Ruth, Bessorier peut venir même pas dans l'époque de 1 Samuel, 2 Samuel, pas les mêmes là. Et nous devons comprendre qui Boaz peut donner naissance grand-père de David. Ça veut dire Boaz donne naissance à un garçon qui appelle Obed donne naissance à un garçon qui appelle Jesse, il dit même une papa David, après David naît. Ça veut dire qu'il parle loin là, la génération là parle loin là. Mais qui fait Ruth, sorry, Naomi, il n'est pas dans le vaisseau liquide, il n'est pas dans le silo, il n'est pas dans le vaisseau liquide que l'ange de l'Alliance. J'ai trouvé qu'il préfère rentrer sur la case, sur le coin, il reste tranquille sur le coin, il reste sur la vie tranquille. Qui va bon. Et ça, dans le Nouveau Testament, si même Dieu me tire en avec la méthode, sa madame qui fait perdre 10 ans pendant 12 ans là, sa madame qui finit tout sur le casque docteur là, je te rappelle sa madame qui fait perdre 10 ans pendant 12 ans là, sa l'autre monsieur qui pendant 38 ans qui est paralysé là, sa l'autre qui tient dans la ligue pendant combien d'années là, sa l'autre qui. Reste dans le cimetière pendant toute sa bonne année là. Ça, quelle de sa façon, tu n'as jamais eu une situation pour en être amère. Je tout ça, dans le Nouveau Testament là, si je tiens une raison pour être amère. Et là, tu es amère contre Rome. Et là, tu es amère contre Pilate. Et là, tu es amère contre les Romains. Et l'homme qui va là vous dire, Jésus est venu, mais quoi, c'est l'homme qui va me royaume. Ça, quelle tu es amère de sa façon. Mais remarque tout ça, dans le Nouveau Testament là, que ça, je suis venu contre Jésus. Et Jésus qui ne fait une sorte de situation. Mon invitation à vous, c'est n'importe qui chose est vraiment amère. Une situation, un moment difficile, quelque chose qui est une pérdition, quelque chose que tu perds, ne pas encore gagner, un démon est mal fait, une affaire, peu importe. Mon invitation aujourd'hui pour vous vivre dans le silo, la présence de Dieu, briller, ouvrir le cœur des voies bon Dieu, et bon Dieu peut que je sois à prier. Alors, ça, c'est un des bonnes points que vous avez remis de l'emphase dans l'histoire rude. Deuxième affaire que vous avez remis de l'emphase, je vous trouvez dans 1 Samuel chapitre 4. Dans 1 Samuel chapitre 4, verset 1, je vous trouvez là-bas, pas encore les rois, là, pas encore faire les rois, non, on y va. David, pas encore les rois, Saül, pas encore les rois, pas encore gagner un royaume avec les rois. Mais c'est maintenant l'homme qui appelle l'homme Israël. L'homme Israël, qui était jeune l'homme. Maintenant, ben, le garçon de Jesse, c'est-à-dire David, ce sont les autres frères, qui est engagé dans la guerre. Mais vous trouvez ça après. Il y a. Avec ça, les deux frères là. Mais qui fait Élimélec par la rue des garçons dans leur main de Dieu? Quand nous regardons l'histoire d'Élimélec, Ruth chapitre 1, leur main de Dieu, leur main d'Israël, est là pour la guerre contre Philistin. Philistin, il est là, depuis Philistin, il est là, à côté. Mais Élimélec, comment dire, il choisit un shortcut. Il dit, je t'ai envie la guerre, moi et ma famille, nous pouvons aller. Ben, les garçons là, on les a en gaz dans leur main. D'Israël, ben on choisit pour marier, pour aller loin, pour se sauver, pour... Il n'y a pas de problème de marier, nous devons marier, nous devons marier, nous devons des bons dieux de marier. Mais, au départ, ne pas participer dans l'armée de Dieu. On demande l'exemple. Si dans la famille, vous n'avez pas ce moment difficile, chaque membre de la famille, vous êtes débouté comment de l'armée. Aujourd'hui, on passe demain l'exemple du Nouveau Testament. Vous donnez une version du Nouveau Testament. Où est la Bible de Timothée, s'il vous plaît? 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12. 1 Timothée le chapitre 6 et le verset 12. La Bible vous dit combat le bon combat de la foi. La Bible vous dit combat le bon combat de la foi. Est-ce que quand Élimélec se manque garçon et qu'Élimélec se manque Moab, c'était bon combat de la foi ça? Non, mon frère, monsieur. C'était pas le bon combat de la foi. Je vais me donner un exemple que Jésus vous dit, classique. Marc chapitre 14, verset 37, 38. Un jour, Jésus fait prier avec ce bon disciple. Quand Jésus fait prier avec ce bon disciple, Jésus vient, et tout le monde avait dormi. Jésus dit, je vais se réveiller ensemble, je vais se réveiller. Ça m'a veillé là-bas. Quand Jésus peut dire, could you not watch?
Jésus va pas dire que Dieu doit watch me. Le temps qu'il va dire watch me. Jésus va pas dire parce qu'à guette moi, on m'a fait prier. Parce que Jésus peut dire ça. Jésus va pas dire veillez dans chacun l'ennemi venu pour la guerre. Moi, on peut prier là. Toi, te veiller dans chacun qui vient venir pour arrêter moi, pas mettre moi crucifié. Parce que sa qualité watch là que Jésus tu peut dire dans la watch. Tu connais dans le Nouveau Testament, tu as un Romain. D'ailleurs, quand Paul peut écrire un homme spirituel qui nous servit, il vous donne l'exemple d'un homme qui est un Romain qui peut servir. Mais pareil, ce mot watch là, c'est un mot qui va un soldat qui peut servir dans un mot de la guerre. C'est-à-dire, quand la guerre est déclenchée, parce que Romain, à l'époque là, un soldat qui faisait en alerte, voilà, en alerte, être watchful en tout temps. Quand Jésus ici peut dire, je t'ai besoin watch, je t'ai besoin de veiller, mais je t'ai besoin de watch. Il peut cause là, comme un soldat, je t'ai besoin envie de rôle comme un soldat là, avec moi dans la prière. Maintenant, on revient à mon point de Elimelech. Qui fait Elimelech pendant que sur un garçon ou un rôle de bataille Israël? Est-ce qu'il nous séparait bataille qui l'église et non? Fait comment dire, pasteur peut prier pour qu'il y ait un nouveau. Ne pas supposer faire partie de sa bataille là. Un membre de l'église malade ne tenait pas tenir de miracle pour lui. Est-ce qu'il ne peut pas supposer coller ensemble, intercéder pour ceux qui gagnent là? Dans la famille, fait comment dire aux mamans, aux papas, aux frères, aux sœurs, aux enfants, peut passer un moment difficile. Aux enfants, on a l'examen. Est-ce que je ne peux pas supposer comment se prier pour ça, l'examen-là, ne débouter comme un homme? Beaucoup de familles chrétiennes, beaucoup de familles croyantes, de type plus vivre dans la victoire, pas de type un débat de défaite, un débat de manquement de la vie, si je suis débouté comme une famille, je suis débouté comme un homme, je suis prendre l'autorité d'un débat de quelque chose. Il faut pas le faire, c'est que, voilà, vous savez, we should not only dine together. On écrit ça là. More than dining together, we should wage spiritual warfare together. Plus que juste manger ensemble comme une famille, le plus est capable de prier en tant qu'une famille. Alors, on remet ça là où l'écrire. Est-ce que c'est une pauvreté, c'est une maladie, c'est un manquement, c'est une situation, voisin, famille, cosmos, sorcellerie? Quelque chose peut dire en sous famille? Débouter comme une famille, prier, intercéder. Ça a bizarre aller dans le nom de Jésus. On peut dire que ça a bizarre dans le nom de Jésus. Ça fait me rappeler que mon pasteur Romy, d'accord, chaque fois dans nos familles, quand il y a des enfants, vous composez. Chaque fois dans nos familles, quand il y a des enfants, pas trop bien. Ou bien n'importe quelle situation, nos familles fait face. Quatre heures, quand mon maman finit de lever pour préparer mon papa se manger pour y aller coupe canne. Et puis quatre heures jusqu'à six heures, mon maman me souvient de prier faux. Quand nous nous sommes cassés, maman peut prier. Mon maman, tu veux prier? Nous besoin de prier. Nous, ma soeur, nous besoin de prier. De toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Troisième petite chose que je voulais partager dans l'histoire, comme vous autres connaissez que Boaz, le petit grand-père de Boaz, le grand-père de, comment ça s'appelle? Grand-grand-père de David. Boaz, le grand-grand-père de David. Mais grand-père là, il y a beaucoup de carreaux. Il y a beaucoup de carreaux. J'ai remarqué que David n'est pas une reaper, n'est pas une moissonneur. Comment tu connais David toi? Berger. Comment tu connais David? Berger. Est-ce que David tu travailles à carreau? Non, mon frère, on a une nouvelle pour toi. Si toi tu travailles à carreau, deux fois pas au travail à carreau. C'est une histoire qu'il faut qu'on donne une story. Oui, d'accord. Grand-père, tu es dans le carreau, tu es dans beaucoup de carreau, tu as besoin de soleil, travail. Bon, d'accord. Jesse, ou bien Obed aussi, tu as besoin d'un carreau, il vole là-dedans. Mais la Bible montre-nous clairement. Ruth chapitre 4, dernier verset. Je vous trouvez David Bouné. Et David pas pour nous en travaillant dans le carreau dans le champ. On prophétise toute la vie dans le nom de Jésus. Deux générations pour un autre niveau. Your generation will be in another level. Ta génération pas pour behind, ban moissonneur. Pareil comme Ruth est behind, pas derrière. Ta génération pas pour tasser au récif. Le bousson. Le déjà connect, I receive. Ok. Gloire à Dieu, merci Jésus. Maintenant, il y a presque 8 à 9 points. 8 à 9 fois que je voudrais partager avec nous tout l'héritage que David a gagné depuis sa génération Ruth là. L'histoire Ruth, allez nous ça. Ruth chapitre 4, dernier verset. Il y a un petit coup. Gemma, Ruth chapitre 4, dernier verset. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Réalise. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Entendez ça? Obed, c'est-à-dire le garçon de Boaz, il vient engendrer David, son grand-père, son papa, après venir David. Allez, écoute ça, c'était. Numéro 1, si je peux écrire, je mets ça number 1. Make hard working, après vous pouvez expliquer. N'est-ce qu'écrire hard working?
Quand vous lisez l'histoire Ruth, comment d'accord au moins que Ruth partit paresse? Comment d'accord au moins que Ruth tienne hard worker? Comment d'accord au moins à l'église dans Ruth chapitre 2, verset 7? Ruth chapitre 2, verset 7. Ben là, vous dire, l'une commence travail, depuis grand matin, depuis l'année, puis encore travail, même soleil bien fort. David hérite un joli petit chose de sa génération, de son ancêtre, de ben qui est là, on dit, hard working, travail dur. Soleil parti dérange, soleil parti dérange ou bien empêche le travail. Mon frère, moi, c'est un numéro 1. Nous, en tant que maman, papa, nous devons montrer nos enfants qu'ils ont besoin de prendre un travail dur. Dans l'examen, dans l'école, dans le ministère, les enfants peuvent faire cellule, montrer qu'ils ont besoin de travail dur de sa cellule-là. Et moi, donne-nous deux exemples pour nous éclairer si ça. Nous avons Ruth chapitre 2, verset 23. Ruth chapitre 2, verset 23. La Bible dit Ruth, il travaille jusqu'à la coupe arrive la moitié. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit Ruth, il travaille jusqu'à la coupe arrive la moitié? La Bible dit Ruth, il travaille jusqu'à la coupe finie. Et qui a été l'héritage que David pour gagner? Et où avec moi nous besoin? Qui a été l'héritage avec nos enfants? La Bible montre nous Ruth, c'est quelqu'un qui travaille. Mais il travaille jusqu'à récolter une vie. Tu as besoin de réviser jusqu'à l'examen fini. Et non pas te réviser 4 mois avant l'examen, tu arrêtes de réviser. Tu travailles Dieu jusqu'à ce que l'examen vienne. Tu veux comprendre la pensée là? Nous besoin de travailler Dieu jusqu'à ce qu'il nous trouve nouveau dans l'église. Nous besoin de travailler Dieu juste, tu ne peux pas prendre sur la guitare. Travaille Dieu jusqu'à ce que tu maîtrises sa ministère là. Nous peux cause la guitare. Troisième exemple qui me contente, c'est ça fait qu'appelle travail Dieu là, me trouve Boaz. Boaz me trouve dans le carreau, je vous trouve Ruth chapitre 2. Boaz vient dans le carreau, grand-père de David. Après, nous vous trouvez le prochain chapitre, chapitre 3, il y a le store. Ça montre nous qui quantité Boaz tient quelqu'un qui travaille dur. Premièrement, quand matin, il y a le sur carreau, les guides travaillent comme a été les bénis tout souvent travailler. Et tantôt, faut tort, les tirent dans le storehouse, c'est là que Ruth tient une zone. Enfin, monsieur, voilà un joli exemple comment Boaz tient du monde qui travaille dur. Il n'est pas étonnant de retrouver un David qui travaille dur comme un berger. Il travaille dur comme un berger, de sorte que les rois perpétuent, les quittent le brebis là avec un autre berger, et allez, il dit que les rois perpétuent. Chaque fois, David, comme un soldat, il allait pour la guerre, il travaille dur tant qu'un soldat. Quand il vient les rois, c'est pareil. Aguette, qui commence des sommes, David, il écrit. Impossible ça, David, là, il s'est cassé comme les rois, mais tu peux travailler dur. Quand on dit, j'ai dit, David, tu vas pour 11 temps, toi, ton garçon qui pour 11 temps, qui David fait? David commence à faire l'inventaire, David commence à faire un stock tout le matériau qu'il faisait pour 11 temps. Il dit, ok, je ne vais pas pouvoir 11 temps, ou même pouvoir fournir le matériau aux enfants. Alors, qui commence David il travaille dur. Pour moi, c'était très joli. David en tant qu'un berger, David en tant qu'un soldat, et David en tant qu'un roi. Il y a quelqu'un qui travaille dur. Je me pose une question. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous avez la réputation pour travailler dur? Do you have the reputation as a hard worker? Ou demain, pasteur, demain l'exemple du Nouveau Testament. Attends-moi le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Médecin de couche, s'il te plaît. Quand il apparaît dans l'écran de sien. Il apparaît? Non. Je connais qui tient Daniel qui travaille dur. Pas comme ça, Daniel qui a une promotion. Daniel qui travaille tellement dur, hardworking, qui personne parce qu'il a trop défaut de ce travail. Je connais Joseph qui peut travailler dur. Vous avez dit dans l'écran? Allez, lire les passages. Romains 12, verset 11. Et pour vous m'aider, y allez toujours. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Waouh! La Bible dit nous besoin, payez la paresse, nous besoin dans le zèle. Faut pas de la paresse, nous besoin dans le zèle. Et moi, vous donner les trois versions qui expliquent ça un peu plus clair. Et la bonne version dit, hein, nous besoin. Do your best in your work. Est-ce qu'en tant qu'élève, je peux faire mon best si tu fais le best? Je peux aussi qu'il fait faire forme 5. Au résultat, si vous meilleur. La Bible dit nous, dans notre version, work diligently. Avec attention, donne l'attention à ce qu'il devait faire. Enfin, monsieur, je trouve les malheureux pour dire, il y a un chrétien qui a un travail, ça me souvient de promotion. Quand on peut prier même pour lui gagner une promotion, il peut donner pour la foi pour lui gagner une promotion, sur la paix pour encore une histoire. Quand on va regarder comment tu m'en travailles, il part de travail. Quand on va regarder comment tu m'en travailles, les autres, tu m'en passes pas d'ailleurs, il fait ce qu'il vient de faire. On est chrétien ou? On est enfant de Dieu, non? Nous avons besoin de la réputation pour travailler dur. Tu connais qu'il a besoin de proverbe? Il y a besoin de proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. Celui qui travaille dur pour prospérer.
Those who work hard will prosper. Those who work hard will prosper. Nous pas capable d'une génération paresse mon ferme Seigneur. Là me peut causer en tant que maman papa. N'a pas en train ou ban des enfants dans la paresse. Mais qui devant nick devant télévision pas faire rien à casa, pas faire aucun ouvrage, pas lire, pas réviser, pas faire rien. Non, on n'a pas dans le monde spirituel pas faire lire la Bible ou pas assurer qu'ils peuvent prier. N'a pas entraîne nos enfants dans la paresse, au contraire. Entraîne nos enfants, enseigne nos enfants. Mais les cas à faire comme ça là. Do not teach your child to microwave everything. Do not teach them to microwave everything. Teach them to work hard. Enseigne nos enfants comment travailler dur. Et pourtant, la Bible montre qu'il ne faut pas nous paresse. Je vais donner un exemple, un joli verset de la Bible. Genèse 2 et le verset 15. Quand bon Dieu crée l'homme, Genèse 2, verset 15. Quand bon Dieu crée l'homme, bon Dieu pas crée l'homme pour lui paresse. Bon Dieu crée l'homme to dress the land, to keep the land. Et seul du monde, tu faisais que tout ça là, t'es là, assurer que tout ça est ordonné, tout ça là correct, tu faisais travailler dur, mon frère, monsieur. Le bon Dieu, Jésus pas venu de la terre, paresseux, il travaille dur. Est-ce qu'il y a un jour, tu peux travailler pour la cause du royaume, soyez la croix, est-ce qu'il y a un jour. Mon frère, monsieur, il faisait travailler dur. Moi, personnellement, on apprend que ça veut dire hard working à travers mon papa, monsieur Siram Ramien. Levé 4h du matin, à Koupkan, la bourrée, retourner 8h grand matin ou bien 9h grand matin, prendre l'appel à ce qu'on a fait à Ranzaka, ce qu'on a dit en tant que maçon, retourner dormir pour une heure, deux heures, travailler sur la boutique 4h30 jusqu'à 7h30 ou 8h. Travail dur, pour papa, travail dur. Il n'est pas étonnant quand il finit par en retraite, il n'est pas carré son place, il a envie de faire quelque chose encore. À tel point que quand Pasteur Romy, tu faisais mettre un barrage sur l'église que nous étions avant, mon papa allait avec un tol, avec un tiroir, mettre un barrage avant. Le besoin de travail dur, dans le royaume de Dieu, le besoin de travail dur, mon frère, monsieur. Le besoin de travail dur. Amen. Tu vas faire qu'à l'école, travail dur dans l'éducation. Tout le monde leader qui veut travailler dans l'église, travail dur, de nos baisses. Dans ce que vous pouvez faire. Posez-vous même la question. Comme on peut dire l'adoration, c'est le meilleur qui m'a fini de donner? Comme on fait l'adoration, est-ce que c'est le meilleur qui m'a fini de donner? Comme on venait toi à l'église, est-ce que comme ça, même tu faisais, est-ce que tu me disais toi aller plus bien? Parce que tu m'as fait une visite, est-ce que tu m'as fait aller plus bonheur? Est-ce que tu m'as fait une affaire plus bien? Travail dur. Et la Bible dit le proverbe, chapitre 13, verset 4, celui qui travaille dur, il peut prospérer. Et la prospérité, quand on travaille Dieu, il n'est pas étonnant d'habit de prospérer là-dessus qu'il fait. Et ça, il est clair. La Bible dit bon Dieu bénit le travail de la main. La Bible dit bon Dieu bénit les bras croisés. Est-ce que la Bible dit de quoi sur les bras? Les bras. Bon Dieu vous bénit les bras croisés. Travail de l'homme, travail, mon frère, monsieur. Je dis gloire à Dieu. De nos jours, parfois, nous gavons du monde. On est à ta main par moi-même, je vais dire pas qu'à sa tête, nous parlons de pension pour toi. Et puis, petit petit, comme les enfants là, ils te peuvent montrer lui à des bonnes pensions, il pas travail. Non, mon frère, monsieur, quand tu travailles, tu regardes plus qui sa pension là peut donner. Travaille, tu peux contribuer dans l'économie de l'île Maurice. Travaille, tu peux contribuer dans la dîme de France devant le projet de l'église. Et puis, petit petit, même tu peux montrer aux enfants là. Faire quand tu es malade, bosse, pas montrer tout le monde, tu finis bien, parce qu'il y a une pension. Qui peut montrer dans le monde? Je te dis gloire à Dieu. Alors, mon petit salaud, les gars. Est-ce qu'il peut montrer aux générations, aux enfants, comment travaille dur? Ou bien, tellement facile, ou bien, aux enfants, ben, quitteuses, je pense qu'on connaît que ça faisait travail dur pour une quitteuse. On me rappelle longtemps, pourquoi on s'est fait ça où? Comment on peut dire? Mais par contre, si j'ai ce travail bien, tu peux une bicyclette. Comme ça. Alors que ce bien, ça, parce que là, tu travailles bien. Le deuxième gloire à Dieu. D'ailleurs, bon, j'ai dit, nous ça. À celui qui persévérait, il pourrait une couronne de vie. À tout du monde pour gagner une couronne de vie, non. À celui qui persévérait. J'ai persévéré. Ça, c'est le numéro 1 qui m'en apprend dans les histoires. Montre beaucoup de monde travaille dur. Montre rue travaille dur, montre bois travaille dur, et montre tout ça transfert de David. David, c'est quelqu'un qui travaille dur. De toute la gloire à Dieu. Numéro 2. Et qu'est-ce que c'est numéro 2? Don't give up on family. Deuxième jolie leçon qu'ils m'ont trouvé dans les histoires Ruth et montre David s'y adopte les mêmes affaires. Montre Ruth n'est pas abandonné. Sorry, n'est pas abandonné sur belle-mère. Ruth pas abandonne Naomi. Naomi pas abandonne Ruth. Boaz pas abandonne Ruth. D'ailleurs, dans
Ruth chapitre 4, quand pour faire transaction concernant la terre, Élimélec est fini mort. Fini à 10 ans, 15 ans, pourquoi c'est pas 20 ans, même quand Élimélec est fini mort. Après, quand même, banané, Boaz poussait une phrase. Hé, hey, quand tu perds Stélie, tu peux faire Stélie pour qu'il n'ait Élimélec rélevé. Élimélec est fini mort, lui. C'est encore même banané, après Boaz, puis encore cause, non, Élimélec qui fait, ne pas abandonner le conseil à la famille. Fais pas là, que mon monsieur, ou bien, hein? Pas mal, comprends ce qu'il peut dire. Et même, ça fait, je vous trouve, dans. Allez, qu'est-ce que c'est, Ruth chapitre 4, verset 3. Allez, il y a Ruth chapitre 4, verset 3. Je vous trouve ce qu'il me fait dire. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. C'est tout ça? D'ailleurs, quand tu peux lire, après de retrouver les dettes bizarres, il est de ce nom, ainsi de suite. Enfin, mon Seigneur, montre aussi un joli héritage que David a gagné. Peu importe combien Saül peut retenir David, David n'a pas abandonné concernant la maison de Saül. Et quand il reste dans la maison de Saül, plusieurs reprises, Saül retenu David. David revenu pour la guitare pour adorer. David traite Jonathan bien. Quand Saül finit mort, après il prenait des enfants, mes filles pochettes, si moi pas me faire rire, dans la famille de Saül. David pour respecter ses enfants-là. Quelle quantité, mon frère, mon sœur. David se manfrait cause gras, on lit de façon parlée. David a le respect pour eux. Mon frère, mon sœur, par cause de lui, allez, mon besoin est quelque chose. Hein? Montre-moi une place à la Bible que la Bible d'abord de ta famille. Bon, d'accord, la Bible, il ne faut pas te contenter de ta famille puisque Jésus, vous ne pouvez pas faire cause de là. Comme beaucoup de ça dans la Bible dit à nous, quand on est un enfant de Dieu, quand on est chrétien, arrive fréquente toute famille qui est là. Non, mon frère, mon sœur. Et moi, je dis aussi que la Bible dit, vous ne pouvez pas participer d'un péché qui se peut faire, vous ne pouvez pas participer de l'idolâtrie qui se peut faire, vous ne pouvez pas participer d'un affaire religieuse qui se peut faire, ou l'arrêt, ça va arrêter. Elle a dit, imaginez nous coupe tout contact. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Timothée chapitre 3, verset 4. Nouveau Testament, là. 1 Timothée chapitre 3, verset 4. Celui qui dirige sur la case bien. Qui n'a pas des enfants en obéissance, ainsi de suite. Celui qui dirige sur la case bien. Est-ce que la Bible dit que nous servons bon diable dans la case? Et qui fait nous gagner du monde dans l'église quand je parle de Jésus, je prends juste d'abord nos autres mamans, juste d'abord nos autres papas. Pas parce que la case, hein. Pas pour compte de maman, pas pour compte de papa qui doit juste propre la case. Par contre, pourtant, la Bible dit nous là, nous besoin servir bien, nous besoin assurer que nous la maison d'or correct. Our house is being well woven. Même papa n'a pas encore converti à cela. Tu n'as pas gagné droit cause qu'on m'a tenu avec qui tu besoin respecter lui. Même Marie n'a pas encore converti. Tu n'as pas gagné droit cause qu'on m'a tenu avec qui tu besoin respecter lui. Même papa n'a pas croire pareil comme toi te croire dans une petite chose concernant la Bible, un principe, une doctrine de la Bible. Tu n'as pas gagné droit de traiter comme toi te l'est. Non! Apprendre ça avec Ruth. Ruth tient un respect. Même Belmeyala, par contre, n'importe comment il était, Ruth partit à respect pour Belmeyala. Et qui fait, nous, quand nous vivons dans le Nouveau Testament, quand nous vivons chrétien, ne fait plus pièce qu'en Ancien Testament de faire. Et moi, je donne un exemple. Toujours, hein, 1 Timothée chapitre 3, verset 4, il dit, celui qui roule sur la case, bien. Mais verset 5, il dit, si quelqu'un n'a pas roule sur la case, bien, comment il parle pour la maison de Dieu? Il ne peut pas cause la case béton, là. Il peut cause tout le monde de la famille. Allez, right. Mais 1 Timothée chapitre 5, verset 1, il dit, n'a pas reprend un ancien d'une mauvaise façon. Tu as besoin d'une bonne attitude, tu as besoin de traiter bien comme un papa. Tu as besoin de traiter papa bien. La Bible a dit nous, dans le Nouveau Testament, puisque nous croyons en Jésus, Dieu le bénit nous, papa, alors maltraite nous, papa, dans la terre. Pas de nique, pas de nique, mais ce n'est pas ça que la Bible dit. On ne peut pas trouver Ruth maltraite ce belle-mère. On va nous dire, nous avons besoin d'un respect. La Bible dit là, traite-le comme ton papa. Ça veut dire de traiter bien comme ton papa. Un jeune frère là, un jeune homme, de très autres comme un frère. Et le verset 2. Ben madame qui est âgée, te guédit comme ma maman, ben jeune sœur, te guédit comme ta sœur, dans toute la pureté. Allez, right. Et nous avons fait comme vous dites aussi. Vous connaissez qui m'a appris avec Ruth, dans l'histoire Ruth, moi, je David tient un grand respect pour ça. Et il est applicable aussi dans le Nouveau Testament. Je tiens une grande estime pour ceux qui veulent. Est-ce que, allez, right. Est-ce que Naomi tient une grande estime pour Ruth, Ruth qui est une veuve? Oui. Est-ce que Ruth tient une grande estime pour Naomi, Naomi qui est une veuve? Oui. Tous les deux retournent dans Bethléem, dans Ruth chapitre 2, même chapitre 3. Est-ce qu'il y en a un grand respect? Oui! David, c'est pareil. Quand Nabal sur madame une veuve, qui David t'y fait? Tiens, un bon estime vis-à-vis de sa madame-là. Alors, remplis avec l'exemple. Je vais vous donner un exemple du Nouveau Testament. Regarde la Bible de 1 Timothée chapitre 5, verset 3. Allez, regarde, voilà la Bible nous dit que la Bible dit. 1 Timothée, pour la peau d'un enseignement, comment nous allons nous inspirer par cette histoire de Ruth? Il est sacré des bénédictions pour nous. Et voilà comment vous êtes en train aux générations. 1 Timothée chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Honore les veuves qui sont. Honore les veuves. La Bible dit que nous disons honore les veuves. Pas fini.
Et le verset 5, verset 4 qui dit, surtout ceux qui désignent une veuve là, sur la case, d'autres, c'est le premier du monde qui vous a dit, bon, soit ça dit mon veuve là. Enfin, aussi, entraîne aux générations. Comment penser à une veuve? Parce qu'il nous peut gagner des bonnes années, nous peut gagner des bonnes générations qui peut élever, pas peine ça, dans une conscience, dans une liqueur, pour penser à une veuve, pour un respect, pour t'as même de respect pour un ancien si. C'est dans le même peuple de Dieu, le consigne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme on trouve la façon qui Ruth prend soin sur belle-mère, pourtant il dit belle-mère. Peuple de Dieu, dans le milieu chrétien, aucun pas Jésus pas dit une belle-mère. Au contraire, quand bien sur belle-mère, tu es malade. Moi, je dis, quand bien sur belle-mère, tu es malade. Jésus tient à là-bas, Pierre tu dis à Jésus, et Jésus tu guéris belle-mère Pierre. Sinon, Jésus, tu lui dis, oui, tout le bien pour moi. Non! Je connais, encore une fois, je vous donne un exemple, je suis Siram Ramia, mon papa. Pasteur Romy, te rappelle, chaque fois un homme qui vient, chaque fois mon grand-mère vient promener avec nous. Mon papa tient un grand respect. Assiser, manger, causer au lit, et puis dort, assurer qu'il y a notre truc qui a besoin quand il a dormi. Tient un moment que mon grand-mère, tu peux, mon grand-mère côté mon maman, ça veut dire mon papa, sa belle-mère, tu peux venir avec nous pendant un an et demi, pendant une longue période. Mon papa assuré qu'il soit belle-mère et dans tous ceux qui viennent préparer la salle pour lui assurer qu'il y a ce manger qu'il mange au Vitamix. Non, ne prend pas au Vitamix. Attention, pas qu'il peut le faire là, tu sais. On a 25 pour papa. Je vous dis, je suis capable de demander à mon belle-mère, est-ce qu'il m'a oublié respect? Non, parce qu'on a 25 pour papa. Mon papa ne peut pas transmettre ça avec moi. Mon père cause avec vous là. Comment est-ce qu'il ou aux causes causer aux belles-mères devant aux enfants? Les enfants ne peuvent pas apprendre. Si devant vos propres enfants, vous pouvez être contraire aux belles-mères, les enfants ne peuvent pas apprendre. Et voilà comment ils peuvent faire. Je vous donne un autre exemple. Allez, nous pouvons corroborer tout ça, mot-là, que la Bible dit tu as un respect pour un ancien. David, tu as un grand respect pour un ancien. David, tu prends aucune décision tant que Samuel pas connu, Nathan pas connu. Van prêtre, van sacrificateur, ainsi de suite. Van prophète. Dans le Nouveau Testament, dans Ruth, c'est pareil. Bon, allez, nous pouvons faire ça. Vous pouvez trop du vent. Ne bien respecter. Si devant vos enfants, on peut causer pasteur, vos enfants ne peuvent pas respect pour pasteur. Vous savez comment la penser? Ne bien respecter. On peut montrer comment on peut entrer. Mon cas, ça se commet des mots aux enfants. S'il peut apprendre comme ça la case, comme ça, on peut aider. Ou, on peut apprendre entre les autres comme monsieur. Donc, quitte un bon héritage pour savoir David qui est dans la case. De tout jamais, amen. On nous continue. Merci Seigneur, merci Jésus. Ah oui, il y a des affaires encore. Comme on trouve la façon qui. Boaz vous dit une phrase dans Ruth chapitre 4. Pourquoi verset 3, 4, 5? Boaz vous dit, nous faisons prendre compte nos frères Elimelec. Il s'appelle les frères tout. Il s'appelle les frères tout, frères Elimelec. Non? Combien de temps? Qui verset? Verset 3. Nos frères Elimelec. Et encore une fois, quand on pense mon papa, M. Siram Ramia, chaque fois que mon frère a un projet, mon papa aidé. Si mon frère n'a pas le tout, mon papa tient une case de tout passer le tout. Si un frère fait accident, mon papa n'ira pas dégager aller et se faire cet accident-là. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'aider les uns les autres? Est-ce que dans le Nouveau Testament, la Bible n'a pas besoin d'aider les uns les autres? Est-ce que la même peuple de Dieu? Des histoires rudes, extra intéressantes. Allez, Ryan, nous continuons. Numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous numéro 1, Hans? Hardworking. Nous avons besoin de travail dur. Nous avons besoin de travail dur. Numéro 2, qu'est-ce que nous disons? Il ne faut pas abandonner aucun membre de nos familles. Ah, il est handicapé, ah, il n'est pas bien, ah, il est peiné dans ses casques, ah, peu importe qui tu me l'appelles, non. T'allais-moi juste une phrase qui est bon, j'ai dit à moi. L'argent pour venir, l'argent pour aller. Mais ça m'a mal, mais ça ne va pas y aller. Il n'est pas prévenu, ça. T'allais-moi que j'ai sa phrase, de quel contexte. Allez, je continue. Numéro 3. Numéro 3. Respect, moral, and the marriage bed to be kept safe. Nous avons besoin de respect pour le lit du mariage. Nous avons besoin d'un bon moral, c'est-à-dire nous avons besoin de moral. Il ne faut pas nous vivre d'immoralité. Après, nous avons besoin de garder le lit du mariage pur. Vous expliquez là? Vous expliquez là? Combien de monsieur de collègues qui, première fois qu'il Boaz, fin trouve Ruth dans le carreau. Boaz prend son clothing et relation sexuelle avec lui dans le carreau. Vous êtes d'accord, non? Quand Boaz a l'occasion pour une Ruth tout seul, à soir, loin de l'usine tout le monde, Ruth peut dormir comme sur les pieds. Boaz, pas de sodomie, pas de faire viol, pas de faire violence, pas de non, rien. Qu'était ça? Garde le lit du mariage pur.
Dans le Nouveau Testament, il y a verset dans Hébreux chapitre 13. Allez-nous vite ça. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoreux de tous. Et les lits du mariage, il y a de garder et de considérer pur. C'est pas l'héritage qui me quittait pour aller jusqu'à David, ça. David, c'est bon, un grand respect, le chrétien, de ce moment-là. Allez, vas-y, Nelly. Que le mariage soit honoré de tout et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. De tout ça, peuple de Dieu. David va prendre tout ça là. D'après ce début sur un grand jumeau. Quand Boaz est venu pour marier avec Ruth, il va me faire en cassette. Je peux lire Ruth chapitre 4. Boaz t'appelle 10 anciens. Combien anciens? 10 anciens. Et devant toute la ville, il fait sa mariage. Et pas de. Boaz partit dire Ruth, sauvez les billes dans la case. Boaz partit dire Ruth, personne n'a pas d'accord, fais rien. Venis-toi, me marie-toi. Pourquoi on comprend comment les bons chrétiens, maman chrétienne, papa chrétien, des autres enfants, il va payer d'accord, ce maman, ce papa, pas payer d'accord. Sauvez Jali, vini, Jali, sauvez, vini, prends ce malaise, vini, nous, pour moyer, nous. Quand tu finis, même dans son âme, vini, que toi, c'est une vini, bénédiction, ce maman, ce papa, moi, y'a ça pour vini. À faire l'analyse, à guider vous-même, tout le monde, dit qui peut-être, il fait, à droite, à gauche. Oui, d'accord, ma parole, là, pour accepter, après, mais avec beaucoup, la peine. Mais est-ce que ça va nous offrir, si vous avez passé comme ça? La prière, les chances, tout qui tueuse. Un jour, tu as un frère qui appelle Lester Sombral. Et je ne les attends pas, lui. Un jeune garçon, bien intelligent, ce papa bien riche, dans l'Angleterre, il dit ce papa, bon Dieu, dis-moi à l'aine, pour prendre sa parole de Dieu. Papa l'a dit non. Parlez. Et la famille de business, tout vous a guetté ici. Il y a un pasteur Lester Sombral, il dit pasteur Lester Sombral, qui vous a fait, moi, on vit aller, bon Dieu, dis-moi, bien aller. On vit quitte tout, allez-moi. Pas dire mon maman, mon papa, non, bien allez-moi. Celui qui passe à l'essai sur moi, j'ai dit, non, mon garçon. La Bible dit, oh, notre maman, ton papa, quand tu as la bénédiction de maman, ton papa, il y a une autre affaire. Ça. Pour te mettre l'œuvre de Dieu même, là. D'accord. Il est venu nous prier. Bon Dieu, qu'à pas sens, ton maman, ton papa, sous décision. Parce que l'essai sur moi, elle prie. Et quand il prie, maman, papa, ben, c'est maintenant, ok, mon garçon, ton papa va aller avec nos bénédictions. Tu vas bien joli comme ça? Aussi pareil. Priez. Priez. Pas parce qu'on a fait pas le marié. Priez. Vous entendez mon bédier? Malheureusement, encore une fois, nous les attendons, maman chrétien, des autres garçons, des petits filles à venir nous mourir. Il n'est pas qu'à ça, des bannes, parmi la papa et la cause, pour obliger d'accord à prier. Il n'est pas chrétien cause comme ça. Le lit du mariage, vous êtes gardé pur. Deuxième, il ne faudrait pas, nous, en tant que maman, papa, nous vivre nous la vie, c'est ça, mon mauvais prêcher, même bien nouvelle. Il ne faudrait pas, nous, en tant que. Et moi, pas. Ça met ça à ça. On va prêcher 5 minutes avant moi, vous, moi, ça met ça. Avant vous. Ça met ça, c'est mauvais prêcher là. On va le préparer 5 minutes avant qu'il voit vraiment mon message. D'accord, ben là? Hein? Comment tu finis de mettre ça posté là? 15 jours le jeu là? Sœurs et frères, quel exemple nous peut donner nos bons enfants qui sont petits, quand nous peut quitter ceux, nous peut quitter la case, nous peut aller? Par le vivre conjugal avec un autre monde. Quel exemple nous peut donner ça des enfants là? C'est pas bon? On peut dire l'école de Christ, il faut les pas dans tout ça là. Est-ce qu'il avait besoin de la même? Boaz, il faut respecter le mariage. Nous faisons respecter le mariage. Jésus, le premier miracle qui s'est fait, c'est le mariage. Nous faisons respecter le mariage. Tentation à faux! L'esprit est bien disposé, la Bible dit. La Bible dit, l'esprit est bien disposé. Tu n'as pas résisté. Mais qui fait un voisin pas fait ça? Qui fait un voisin qui n'est pas contre Jésus? Qui fait ce que tu n'as pas fait ça? Tentation à pas politisme. Je veux qu'on prenne une décision. Vous avez pris une décision, frère. Vous avez pris une décision, certes. N'a pas tolé l'immoralité devant vos enfants. Qu'on gagne au mariage propre. Il va bon, mon frère, monsieur. Vous pouvez donner un mauvais exemple, de mauvais témoignage. Vous pouvez mal enseigner aux enfants. Allons continuer dans notre histoire. David, pour rendre grâce à Dieu pour David, David, il apprend comment il faisait. Oui, d'accord, je suis un pasteur, mais David, tu commets d'adultère. Oui, mais après, il voyait que je m'en ai. Oui, d'accord, il finit faire erreur, il a réglé après. Bon, j'ai un service à couple là même pour qu'il s'en sonne et ben ça fait pas arriver après. On va pas dire que vous avez fait comme David, pas ça qu'il vous peut dire, mais vous parlez d'histoire David, comment l'inil honore Dieu bon, frère Monsieur, qui pas le bon témoignage aux enfants concernant le mariage, comment Ruth il fait. On va continuer. Numéro 4. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Souviens, vous revenez un petit bout de mariage. Vous pas capable de voir une maman, ou bien un papa, ou un enfant dans la case, ou mari peut dormir,
ouvrir Internet ou peut chat le Facebook avec un autre quelqu'un pendant bien tard dans la nuit. Je crois que c'est ce qu'il peut faire. Qu'il peut faire. Il va pour moi. Il va pour moi. Il paraît comment passer, c'est-à-dire, à soi, tu pouvais la peau, à soi, tu pouvais la peau, puis ça, je m'en avais une cotonne de tout salon, de rire, Mais quand nous pouvons login sur Facebook là, quand nous pouvons entretenir une conversation avec ça qui est là, même à travers Facebook, il paraît quand tu as invité de salon, qui différencie là. Et parce que faut de l'autre, j'explique ça. Ok, nous continuons. Numéro 4. Wait for their turn. Attends tout. Je te dis attends tout. Je te dis attends tout. Ah, un solide exemple ça. Ruth t'attend ce tour. Qui tout lui t'attend? Il n'est pas pressé pour le manger, il n'est pas tiré de moi manger. Il t'attend ce tour. Quand Balan j'ai vient de manger, il est là, il manger. Vous êtes déjà fini à mais c'est la cause. Pourquoi vous avez déjà mal de référence? Si je lis l'histoire, je peux comprendre dans quel contexte on peut dire ça. Ruth t'attend ce tour. Quand tu n'as pas le droit de manger, il t'attend ce tour. Quand Balan t'y donne, il est là, il t'y prend. Il ramasse, il t'attend ce tour pour les guérir. Faut dire Boaz, il dit que ce qu'il faisait faire, il attend ce tour, qu'il faisait faire Boaz. Dis-moi ce qu'il faisait faire, m'attend le tour. Quand il tient pour marier Boaz, il attend ce tour. Ça, c'est Ruth, il attend ce tour. Nous avons déjà un exemple. Vous connaissez Boaz, il attend ce tour? Quand je voulais, Ruth, chapitre 4, il tient le dimon avant Boaz pour marier avec Ruth. Il est plus proche. Il tient plus droit de rachat que Boaz. Mais Boaz m'a dit, moi, mon content, sans me rentrer. Non! Au contraire, commencement, le dimon a dit, oui, mon pasteur Ruth. Oui, moi qui peux marier avec Ruth. Commencement, quand Boaz est venu, allez-y, moi, verset là. Chapitre 3. Commencement, Boaz peut dire. Ou bien chapitre 4. Chapitre 4. Commencement, Boaz peut dire, tu connais, viens là. Ça. Naomi peut vendre un terrain. Terrain à Poli Médec. Et si tu vois, c'est-à-dire, c'est dit toi. Si tu vois, racheter, rachète-le, mais pas oublier. Pardon? Chapitre 4, verset 1. Et là, tu vois qui répond. Tu vois, tu réponds, oui. Oui, je rachète le terrain. Et là, tout de suite, c'est arrivé. Boaz a dit, mais rappelle-toi, si tu rachètes le terrain, tu as besoin de marier aussi avec Ruth. Et tu as besoin de faire les enfants pour que le nom de Elimelech n'est pas fini par la même. Et là, l'autre qui a dit, ah non, 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 dans ce cas-là, je ne suis pas capable de mettre en péril ma prospérité. Mais Boaz, qui fait souhaite, il attend ce tour. Boaz, il attend ce tour. Il a la patience. Le tout jamais. Ça, c'est un grand exemple. Et vous êtes. Si le petit commandant était David Gallonchon, souvenez quand c'est David qui attend ce tour, pour la série de sa trône là, David n'est pas pressé. Ou bien qu'on attend le tour. On fait quand dans l'église, attend le tour pour bon Dieu servir. Non, les enfants, on attend le tour. Et ça, nous avons besoin de montrer nos bons enfants, nous avons besoin de montrer nos générations. Pas pressé. Attend. Pressé, pressé, donner le portable. Attend. Attend. Je te dis qu'on attend. Merci Seigneur, merci Jésus. Parce que David va le faire. Political issue, pas le rébeller, il va le monter dans l'armée, il va faire le political move pour les gagner couronne là. Non, quelle différence? Il faut attendre ce tour. Là, je vais baisser la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. La Bible dit sois patient envers tout homme. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Si quelqu'un veut mettre ça dans mon commerce, il faut bien faire apparaître Shubham, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Sois patient envers tous les hommes. Et ça, David est patient envers Samuel. Samuel dit pour venir, Samuel est tardé. David est qu'on attend Samuel. Contrairement à Saül. Saül n'a pas la patience. Ni lui la patience vis-à-vis David. Saül est bien avoir patience. Bien avoir patience. Mais David, non. David n'a pas la patience de sa génération. Amen. Nous sommes patients envers tout le monde. Ça vient tout du monde. Vous êtes patient envers votre monde dans la case. Vous êtes patient envers vos pasteurs. Vous êtes patient avec votre cellule avec qui vous travaillez. Moi, en tant que pasteur, vous êtes patient envers votre monde. Vous êtes patience. Ne priez pas, bon Dieu, pas un miracle. Vous êtes patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et quand il dit, vous êtes patient envers tout du monde, même si vous êtes devant toi, vous êtes aussi, mais là, vous êtes patience. Vous pouvez être trafic de police, vous êtes patience. Vous pouvez mettre la clé d'ailleurs, vous êtes patience. Allez, continue. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 24. 2 Timothée, 2 verset 24. Excuse-moi, 2 Timothée, 2 verset 24. Un serviteur du Seigneur, il ne faut pas dire la guerre. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il ne faut pas dire la guerre. Les visages gentils, ils avaient tout le monde, les visages de patience. Vous voyez? Encore une fois, patience.
David tient une grande prophétie. Ah, David tient la patience. David tient la grande patience. Merci Seigneur, merci Jésus. Un dernier verset pour vous donner concernant la patience. Jacques chapitre 5, verset 8. Jacques 5, verset 8. Je demande de cavalier, s'il te plaît. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il y a des avènements intéressants. Hein? Il y a des trois. On ne peut pas garder Dieu, tu vas de référence. Il y a normalement des trois versets qui causent patience avec Toliquia. Patience, il y a un grand impact de Toliquia. Un dieu qui est impatient, sur lesquels troublé. Patience, il connaît une grande bénédiction de Toliquia. Vous le savez, c'est la réalité, c'est là. Vous aussi, soyez patients. Soyez patients. Nous visons la patience. Après. Affermissez vos cœurs. De lesquels il n'est pas fermé. Si Toliquia n'est pas palpité, si Toliquia est tombé, si Toliquia est folie, si Toliquia est probablement troublé. Non, grande patience. Patience pour toi. Vous êtes. David tient la patience, vous êtes. Grande patience, David tient. Il n'est pas étonné que bon Dieu qu'il fait avec David. Nous avons patience. Quand tu as aux enfants, donc aux jeunes, là, à cela pas mettre sa qualité l'aise. Quand on attend de l'aise, après tu mets ça l'aise. Mais moi, je viens de la bonne parent. Quand tu as aux enfants, donc aux petits là, tu n'as pas gagné pour d'autres. Donc aux 6 jeunes là, tu n'as pas gagné pour d'autres. Quel âge tu as gagné pour d'autres, Hans? Hans, tu as fait 3 gagné pour d'autres. Aux enfants de 3e, même pas gagné pour d'autres. Non, mais nos enfants, bisez dans la patience. Patience, nos enfants. Aïe, papa, mon travail, va la paix de moi, c'est la paix. Patience, mon petit, patience, te bise, non. Un jour, tu peux gagner. Une fois, parce que Max Sogros, mon petit diamant d'affaires, parce que Max Sogros, mon CD, qui travaille dans une grande firme comptable, finance, ça veut dire, secteur finance, l'Inga Lucas, je un des multimillionnaires, billionnaires de Maurice. Je n'ai rien à payer. Il y a des gens qui vous voient, c'est pas qu'on est venu à casser, non. Il faisait, mais du monde, vous faites 60 ans, je Et quand c'est un gosse là, il est un gosse là. Il travaille là-bas. Il dit à Michel, explique-moi comment on fait, hein? Explique-moi comment on fait pour arriver comme ça dans les bonnes finances. Une seule affaire, Michel Angeli. J'ai la patience. C'est tout. Les yeux, c'est même une blanche, rite de se figuer. Les villes multibillionnaires. Il dit à sa jeune gosse là, est-ce qu'il peut y aller, non? Patience, t'es même Bouddha. Va chercher comment faire pour gagner ça gros loto là. Tu n'as pas patience. Va chercher comment faire pour aller à l'église, sans du monde dans l'église. Pour ce que nous peut faire. Patience. Parce que j'ai comment pour gagner un leader comment où il est dans l'église. Patience. C'est ce qui te faisait là. Je te rappelle ça qui est là. Les gens de Smith Wigglesworth. Il y a Smith Wigglesworth. Qui m'a besoin de faire pour gagner une onction? Parce que là, j'allais venir seulement à la plaine, dès 16 matin. Arrivé dès 16 matin, quand je suis en train de se mettre au final, il y a 10 matin, même il y a attend, il y a 10h, 3h, 4h, 5h, 6h. Parce que mes fingers sont venus 6h. Ah, parce que j'ai venu à 10h. Si je connais, moi je vais dormir, moi je vais venir 6h. Parce que j'ai venu 6h, moi qui m'a besoin de faire attendre là. Parce que là, j'allais te finir disqualifié pour te gagner, donc choqué dans le monde de la vie. Bon, tu vois pourquoi? Parce que le soin, c'était la patience, tu faisais qu'on attend. Premier les rois, fait là-dedans. Premier les rois, ça a eu. Il suffisait qu'on attende. La dernière page qu'on attend. Je vais faire une jolie étude en ce moment dans les livres de Samuel. Super jolie. Je vais vous prouver ça bientôt. Enfin, vous savez, quand vous pouvez passer pour sa thèse qui appelle patience, ça. Parfait là-dedans. Vous pourriez qu'il y ait un A. Vous avez une distinction là-dedans. Quand vos enfants pour guérir. Quand vous pouvez gagner mon mariage. Quand vous pouvez gagner tes affaires. Patience. Et c'est moi qui garantis toi, Zou, que tu peux gagner ça. Tout le monde de la vie te pourra un témoignage. Ça me sied, toi. Je dis amen, amen. À nous continuer. Numéro 5. Honore ban ancien. Allez écrire ça. Numéro 5. Honore ban ancien. Alors, enseigne aux enfants la patience. Ça m'a fini, d'y attendre là. Pas tous les enfants, vous assez aux enfants de l'autre. Vous voulez dire que vous avez une case, Dieu. Vous avez patience qui vous a commencé à entraîner les enfants là, les petits même. Allez, n'est pas pourquoi je vous l'ai en détail. Mais que numéro 5. Numéro 5, c'est qu'il nous apprend des histoires. Ben là, on nous parle ancien de façon extraordinaire. Ruth chapitre 4, le verset 1, le verset 2. Ruth appelle, sorry, Naomi, Boaz appelle 10 anciens de la ville. À ces jours-là, 10 anciens de la ville. Tout ce qu'ils vont vous faire là, vous êtes allés devant 10 anciens de la ville. Comment pour nous, nous sommes en train de ban enfants pour respecter ban anciens. Pourquoi pas que les anciens disent dans
l'église, hein, mais pour les anciens de la case, pour grand-mère ou grand-père. Je connais qui nous fait faire, comme grand-mère fait venir, quand il me promenait contre nous, nous pétaillons ce genre. À même. Nous taillons même ce genre. À même des moustaches. Nous taillons même ce moustache. Quand à même un promenait contre ma cousine me teintille dans ce genre, mais ce rouge à lèvres, faire des vins zénès. Taille ce cheveu, me faire des vins zénès. Mais c'est un respect pour lui. Jamais qui gagne une cause brute avec un homme de ma famille, de mon grand-mère. Jamais qui gagne fait mal près de lui. Il me prend sur les temps, il fait se diter, son âme est en trembler. Je vais pas aller là-bas, je vais pas aller là-bas. Pour monter les gains frais, de doubler son mouton, assurer qu'un homme est un truc qui est bizarre. En fait, à part les amants pédomis là, j'ai un respect pour un ancien. Il y a une grande bénédiction pour un respect pour un ancien. Tout mon mariage qu'il m'a fait, tout l'anniversaire qu'il m'a fait, comme on trouve, j'ai tout mal inconverti de sa fonction là. Pour pas assurer qu'il va la connaître. Nous, dans la mission, nous, dans l'église, vous respectez pas l'ancien. Chaque fois qu'on m'a fait le mariage, l'anniversaire, n'importe qui m'a fait, qu'on a beaucoup de gâteaux, comme ça fait, m'a obligé d'appeler mon ancien avant, mon grand jumeau de venir avant. Pour faire manger avant. Amen. Et beaucoup de jumeaux n'y touchaient pas ça, hein. Parce qu'ils étaient dans le monde, j'amène un trou ça. J'amène un trou ça. Grand bien, on laisse des yens tout le temps. Mais nous, dans l'église, à Pige, nous avons nous, mon grand jumeau, nous avons nous, mon qui grand jumeau, j'amène. Allô, montrez aux enfants, montrez aux générations, montrez au bout David comment honorer ce pasteur. Comment honorer. Vous savez, mon maman, tu as montré nous comment nous faisons honorer papi. Quand moi, tu first, second, troisième, first, second, troisième, mon papa, mon maman, tu as montré nous, ramasse de casse, acheter mouchoir pour papi, acheter haute colonne, bien-être, ça à l'époque là, haute colonne, acheter cadeau pour papi. Alors, on me rappelle, moi, tu ramasses mon casse, et nous avons ça dans l'église aussi, l'école des enfants, c'est nous avons ça. Alors, nous, ça, c'est mouchoir. Et j'ai oublié, c'était, mais tu as beaucoup casse pour nous à l'époque là. Nous, tu honores le papa avec mouchoir. On honore le papa avec ce sept. On honore le papa. Parce que quand on vit une grande monde comment on se travaille, on honore mon papa avec un bien avion. On parle à mon maman, mon papa, mon âme Rodrigue. Mais on honore maman, papa. Je te dis amen, amen. Alors, ou maman, montre aux enfants comment on honore son propre papa. Ou papa, montre aux enfants comment on honore son maman. Je te dis amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. On trouve aussi, Ruth, il y a un respect pour moi qui est devant les bonnes moissonneurs. J'aime beaucoup tout reading à la guerre, ça m'a mentionné là. Au contraire, quand la saisie, vous pouvez se balader, manger avant, après, vous pouvez aller, vous lire l'historique, vous lire chronologie, vous trouvez. Ruth, un grand respect pour un qui est avant lui, un ancien, la carreau. Quand au travail, vous avez un respect pour un ancien. Il appelle les signaux, même les petits petits qui vous, il appelle les signaux, même si les petits petits qui vous appellent manager, vous pouvez respecter lui. Parce que vous pouvez respecter son âge, vous pouvez respecter sa poste qu'il est occupé là. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Respectez ce professeur, respectez ce surintendant. Dans l'église, il y a un surintendant. Nos bons enfants, ils apprennent à respecter le surintendant. Ils sont capables de dire surintendant bonjour, parce que le surintendant. Ils ont honneur parce que le surintendant, ça. Parce que le président. Ils ont honneur le président. Ils ont respecté le président. Mais on s'est fait confier sa place, là. Je te dis amen, amen. Ouais, nous sommes. Jamais, surtout, David a un problème avec l'autorité. David respectait Samuel de façon extraordinaire. David respecte, littéralement le respect pour l'autorité. Ça a eu peut-être eu lit. Des coups de chasse à lit. Troisième coup, j'allais venir toujours la guitare pour courir là. Les réalités de la guitare pour Samuel. Grand respect, grand, extra grand respect. David Tiennan. Je voulais me dire une affaire. Dans l'éternité, David, maintenant on peut appeler le roi David. Le passé de Jésus, tu ce qui visite les cieux, raconte ça. Un médecin. Les respecter l'autorité de la terre. Extraordinaire ça. Les respecter l'autorité de la terre. Dans les ciels. Bon Dieu donne sa title. Les rois David. Honore oh l'autorité qui bon Dieu fait mettre dans la vie. Parle bien loin. De toute la gloire à Dieu. Les contraires, si. Regarde ça des exemples. 1 Timothée 5, verset 1 et 1 Timothée 5, verset 2. 1 Timothée 5, N. David n'a pas cause brite avec un ancien. Vous montrez qu'il dit comment ton papa. Pas cause brite avec une madame qui est ancien, qui vient dans l'église. Qu'il dit comment ton maman. Malheureusement, on les a trouvé en zen. Tu tiens ça dans mon église avant. On disait qu'on risque là. Un jeune, il est lagué avec une soeur. Cela, des fois, trois fois. Trois fois, mais quatre fois plus grand qu'il dit lorsque dans l'as. Tu sais, ça fait rien la guerre. Et il colle ce néné là-haut. Il cause. Foutant, et que ça le tire, qui m'a, ni comment dire, son maman. C'est évidemment là, moi, que cause à toi, la jeune. Vous connaissez pas tout comme ça, hein? Mais dans les raisons d'avant, je vais dire, hein.
Le bien église mentalement, ça peut être quelle église tu aller. Ça sera le plus grand que toi. Chantal, par exemple, elle s'est avancée en l'âge. Vous connaissez, Gemma, ça même pour faire ça, on peut donner un exemple. Gemma a besoin de tout respect qui est bizarre vis-à-vis de Chantal. Si Chantal prend sur l'état de sa perron là, Gemma a besoin de respect qui est bizarre. Tu penses que c'est fan de tout le monde, jeune comme elle est simple, dégage, adieu, adieu, il est devant nous là, adieu. Tu peux, adieu, c'est là devant toi, il peut descendre péron doucement, doucement, ou bien il peut monter péron doucement, doucement. Il n'est pas tout comme ça. Il a besoin de respect. Amen, peuple de Dieu. Jésus le mot pour lui. Au contraire, il peut y avoir une église, mais il n'y a pas de conditions. Quand même doucement, doucement. Il a besoin de respect pour l'ancien. Dieu te dit amen. Le continuer. Numéro 6. Combien vous êtes comme ça, pasteur? Numéro 3. On est bien terminé. Numéro 6. Consider people more valuable than property. Écrivez ça, s'il vous plaît, dans vos commentaires. Consider people more valuable than property. Dis-toi, Ruth, un des bons exemples qu'ils ont trouvé, que ce soit Ruth, que ce soit Naomi, que ce soit Boaz, ils n'ont pas tassé avec du bien matériel. Vous voulez me donner un exemple? Numéro 1. Ruth, choisir son belle-mère, plus qu'il choisit son propre héritage, qu'il ne soit pas quitté de Moab. Ruth quitte tout l'héritage de Moab, et collecte son belle-mère, et choisit Dimon au lieu de l'héritage. Il contient mort avec son belle-mère pour venir jusqu'à que vous avez dit. Numéro 1. On va donner le numéro 2. Merci. Combien parmi nous pour choisir Dimon là-haut, l'héritage? Malheureusement, il y a du monde la guerre avec le pauvre maman, papa, à cause d'héritage. Mais le pauvre maman, papa, la cour. Mais le belle-mère, la cour. Mais le beau-père, la cour. Elle apprend les crutes. Elle apprend les crutes. Et tu mets le tien à l'amour. Pour le tien à l'amour qu'on a besoin. Naomi, c'est pareil. Explique-moi comment Naomi attend tout ça les temps-là. Est-ce qu'on a une récolte? Pourquoi on ne peut pas réaliser? Naomi, il a là-bas, ce garçon de Moïse fait 10 ans. Ça fait 10 ans, Naomi là-bas. Pendant que Naomi 10 ans là-bas, ce terrain, 10 ans reste ici. Parce que chapitre 4, il y a un terrain qu'il va encore vendre. D'accord, pas d'accord. Pendant 10 ans maintenant, quand il est un frère, il est un garçon, il est un mari, il est un ami, le moment où il vient dans Bethléem, tout de suite il va le vendre terrain là. Il garde le terrain là pour sa belle-fille. Combien de belles-mères, capable de dire moi aujourd'hui, pasteur, mon belle-mère, mon garde ce terrain là pour ma belle-fille. Nous besoin d'apprendre les histoires. Comment vous pouvez dire cette histoire-là? Je dis dans mon équerre, un jour quand vous pouvez une belle-mère, sorry, un jour quand vous pouvez une beau-père, vous passez un terrain, vous mettez le nom de mon zan, ou bien mon belle-fille. Vous pouvez prendre des petites histoires. Et pas pour étonnant que vous trouvez David et Mars dans le même cimet. Un jour, vous pouvez oublier tout ça. David sur la vie, quand je vous des histoires, après quand vous pouvez une histoire David, tout ce que vous pouvez raconter dans les histoires, je vous trouve David mettre ça en pratique. Voilà qui a des générations, nous besoin de venir me faire mon Seigneur. Je te dis amen, amen. Naomi, pas de se passer le terrain, se passer le plein, plus précieux qui rut. Non, non, l'incordi pour sa belle fille. Allez, raille. La yette, c'est gorli pour mariage. Extraordinaire, ça. Une belle-mère qui garde ce terrain-là pour mariage sa belle fille. Waouh! Allons continuer. Merci, Jésus. Boaz, pareil! Boaz, pareil. Je te rappelle, ça le famille là, il dit, hey, non, je ne suis pas capable de jeopardize, je ne suis pas capable de mettre en péril mon property. Si je suis marié en route là, vous avez fait ça avec les enfants, ça sont enfants qui pourraient là, vous venez héritier, je ne suis pas capable de mettre en péril mon business à cause de ça. Et si Boaz, toi, Boaz, tu as vu marier toi. Mais Boaz, quelle attitude tu as? Dis-moi bien pour autant qu'il s'est passé le terrain là, taille. Property n'est pas comme moi, je suis bien pour autant ça là. Elle aime qui bon Dieu diamant. L'argent pour venir, l'argent pour aller. Money will come in your life, land will come, cars will come, matériel pour venir pour aller dans toute la vie. But dear ones, un diamant prêt avec toi, ceux qui veulent aller, ça me pour venir. Mais bien, et ce qui te pas payer mal, prends ma décision. Assurez qu'il te met 10 moun avant tout temps. David, tu fais pareil, mon frère, mon Seigneur. Avec David, ma décision qu'il prend. David, jamais il y a une opposition. Jamais. Les rois, ils ont dit, moi, ils ont motivé. Tu connais qu'il répond maintenant?
qui nous était moi, qui la case, mon famille était pour non, mon gros camp, moi, ça fait trop. David Zamen galope derrière, dans sa famille naturelle. Il peut être un homme mondial de donner une place dans les ciels, qui appelle City of David dans les ciels. C'est la même peuple de Dieu. Ok, nous continuons. D'ailleurs, tu connais qu'on n'a pas s'intéresser, tu connais qu'il disait David? Non! Non! Fais-moi connaître comment il était! Tu te rappelles? Quand il a fait sacrifice, que ça qui est là, qu'il disait? Fais-moi connaître, moi, pour payer. Pour... Non! Tu as un dimon, toi aussi! Non! Tu as un dimon, toi, ça nous passe. Fais-moi connaître. Vous êtes... David respectait ça qui est là. Il disait, jusqu'à tel point, il disait, il ne pas qu'il y ait un bon Dieu, ça fait qu'il y ait un coup de monnaie. Content ou bon Dieu, plus qu'il y ait un asset, un property, n'importe qui valait. Bon Dieu, mais dans les guerres, apprends au nom bon Dieu avec ça, nous faisons aussi. David, il apprend ça avec Boaz. David, il apprend ça avec son grand-père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit, vous pouvez venir un grand-père, tout, vos enfants vont prendre demain, vos petits-enfants vont prendre demain? Amen. À nous continuer. Merci Seigneur, merci Jésus. Souvenez de Matthieu 16, verset 26, que la Bible dit. Matthieu 16, verset 26. Qui se tient du monde, il gagne le monde en entier, il perd son propre âme. À quoi ça sert de gagner le monde, de gagner tout? Malheureusement, un des parents montre aux autres enfants triqués, coquins, cassiers, falsifiés, dracés, gorés, trichés, pour gagner encore. Tout y est si bizarre, gagner seulement. Il ne faudrait pas nous montrer ça à nos enfants. Est-ce qu'il faut que tu gagnes sa gomme là? Je vais demander que tu gagnes sa crayon mine là. Il va pour toi? Est-ce qu'il est de toi? Il gagne lui en bas. Non, elle retourne, pas pour toi ça. Elle retourne pas pour toi ça. Quand est-ce qu'il est de toi ça puisque tu as dit grand val la scène l'eau camarade donné formé sorry ça faut formé de toi la scène l'eau non téléphone sur parent vous avez compris ce que je veux dire n'a pas montré aux enfants tracer triquer tracer droit de gagner tracer droit pour vite tracer de gagner puis qu'ils aient fait tracer pour gagner pas montrer aux enfants tracer montrer aux enfants une confiance dans bon Dieu le tout jamais n'a pas fait aux enfants venir tracer Fais aux enfants venir quelqu'un qui n'a la foi de bon Dieu. Le deuxième amen. Et continuez. Septième point. Ready to give your shoes. Vous voulez qu'il me raconte cette histoire-là? Boaz, tu es prêt, tu es ready pour qu'il se souligne. Boaz persisé, ça le camarade assis, ça le djimoun assis persisé, tout le ancien persisé, tout assisé. Le chapitre 4, verset 1, verset 2, verset 3. Tout le djimoun assisé. Tu arrives là que pour faire sa redemption là, pour prendre lien en mariage, ainsi de suite, je vais trouver de sa verset là. Dis-moi qui verset y était. Verset. Lien de quoi sur Romain. Autrefois en Israël, quand des hommes achetaient ou échangeaient quelque chose, l'œuf des dieux enlevait sa sandale et il la donna à l'autre. Pour ça, phrase, hein? Boaz pour tirer ce soulier. Vous voyez ça, tirer ce soulier? Vous pouvez suivre ce qu'il m'a dit, montrez-moi. Go the extra mile. Tu connais qui fait David en tout temps fait autant pour bon Dieu? Est-ce qu'il n'a pas pensé que ce soit un grand du monde? Est-ce que toi, tu es un parent, tu es un grand-père, tu es un grand-mère, est-ce que toi, tu es un kiken, tu veux montrer tes enfants, go the extra mile? Pour que Saint-Dieu fait ça, tu rajoutes ça aussi là-dedans. Parce que Saint-Dieu fait ça, fais ça aussi, de bon au pétien, hein? Go the extra mile. Est-ce que ceux qui travaillent sur un fait d'appraiser, quand ils veulent gagner un appraiser, pas des œufs, qu'ils ont fait un fait extra mile, pour que tu gagnes ça à 100 euros, tu gagnes ça à point là? Les principes de la Bible, ça, tiens te soulier. Qui promet tu me te rappelles, bon Dieu, si tiens te soulier. C'est comme ça. Quand il y a Exode, c'est ne pas aller à Ruth. Non, ça fait ne pas pour essayer de comprendre. Bien sûr, on parle d'histoire Ruth. À qui dans le Nouveau Testament, Jésus tiens te soulier. Vous voyez qu'il fait? Il y a de extra mile. De quoi Jésus tient te soulier, maintenant tu coulouti là-bas? Non, on va me dire. Pieds nus, maintenant tu coulouti Jésus. Parce qu'il y a de extra mile. Faire! Pour sa génération autour là, nous prenons accès à l'œuvre de l'église, dans le manger, dans le monde, dans le qui va faire devant l'orphelinat, dans le qui va faire pour une petite fille, une garçon qui vient à maman, papa, ou dans le monde qui passe par problème, dans le bénédiction. Viens une bénédiction, tiens te soulier. Après, tiens te soulier. Je te dis gloire à Dieu. Déjà, nous avons fait un dialogue là. Ça joue qu'il tient ce soulier là. Il nous a mort spiéni. En d'autres mots, il nous a mort pour la foi. Quand Moïse tient ce soulier là-bas, c'est pas si tient ce soulier parce que ça passe à l'issain. Because from now onward, you need to walk by faith. Donc vous avez marche par la foi. Vous marche par la foi. Tu fais là pour pas connaître qui est arrivé, mais vous marche par la foi là.
Regarde-moi, Yoli là, les autres pétiens, les autres pays en danger, les autres business. Moi, pas la foi, mon pays, moi aussi. Aucune douleur, non, il n'y a pas aucune rose, pas pour pigment, là, non, pas la foi, mon pays, moi aussi. Non, vraiment, c'est, apprendre à rose pour la foi. Montrer tes enfants comment marche pour la foi. David, il marche pour la foi. David, il cause pour la foi. David, il vit pour la foi. David est reconnu comme un héros de foi dans Hébreux chapitre 11. Amen, le peuple de Dieu. Vive pour la foi, ben jeune. Vive pour la foi, vos frères et sœurs. Montrez aux bons enfants si comment faire ça. Est-ce que vous comptez encore? Merci Seigneur, merci Jésus. Apprendre à aider les autres. Là-bas, qu'est-ce que ça? Je te dis moi. David, il apprend qu'il y a un jour, de ce grand-père, ce papa, si tu as ce soulier, tu meurs aussi. Pour honorer ce qu'il vous a honoré, pour respecter ce qu'il vous a respecté, pour mettre en pratique ce que la Bible dit, parce que dans cette époque-là, tu vous as fait comme ça. Car il y a tout, David, pas d'eau, bon Dieu. Combien de personnes connaissent qui David, tu fais? Qui David, tu fais quand tu as d'eau, bon Dieu, tu prends l'ange de l'alliance spirituelle de Jérusalem. L'aime que l'ange de l'alliance pour rendre de Jérusalem, là, mon frère, mon Dieu. Commençons l'ange de l'alliance, il peut venir. Après, t'as une bizarre, arrête de le passer, que t'es au bête d'homme ou quoi? Non? Au bête d'homme? Pourquoi oui? Mais Zou qui est dans l'alliance, c'est là pour rentrer dans Jérusalem. Ça, quand tu vois qui David, tu fais. Il dit qu'il se saute avec lui. Ce soulier, pas ce soulier qui tire David là. Il dit qu'il se saute avec lui. Il veut danser devant tout le monde, devant tout qui ken. Le même qui lui dit, ce madame, je lui dis, tu veux bien danser là? Quand tu es sorti, tu veux bien danser là, devant tout le monde, madame, devant tout le monde. Vous voyez qu'il lui répond, même si mon besoin est plus undignified. Même si mon besoin d'une plie, en anglais, c'est vile, V-I-L-E, undignified. Comment on a pensé comment il dit? ABC. Humilié. Même si vous vous appelez humiliez-moi. Même si vous vous appelez abaisse-moi. On va faire des pousses à Jésus. Comment dire, mon vieux gel? Tellement vous pouvez prêcher, vous pouvez transpirer, mon gel, vous pouvez tomber. Est-ce que vous avez cassé la tête de vous serrer? Non. Vous avez joué la guitare, vous pouvez te mettre une cravate, vous pouvez te mettre bien habillé, tu es dans l'église. Et vous pouvez te tomber, par exemple. Ou bien, n'importe qui n'arrive, tu laisses ça, tu laisses siphonner, vous pouvez te débouter, Est-ce que tu vous avez ça dérange sa réunion là? Non. Quand tu as un lince, pour gagner notre lince, pas trop beaucoup de fois dans l'église, ne met trop beaucoup l'emphase, ne doit être self-conscious. Tu vois, les faits que tu sois cocolaté sur la case, dans le miroir, avant de rentrer dans l'église. Tu les vois, comment ils rentrent dans l'église, ils retirent un coup, ils redonnent la glace, pour aller retirer, ils baguent aucun la glace, ils tirent sur le podium, ils retirent. Alors, ils jouent dans la plume, la glace. Ils étaient coup dans la glace, et taillé. La Bible dit, l'homme ne regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. David n'a pas tout ça là, avec sa grande joue là, avec ce balancer. Qui vous peut quitter où? Qui vous peut enseigner aux générations? Vous voyez que la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 16? 1 Jean 3, verset 16? Comme ça, nous pouvons connaître l'amour de Dieu dans nous. Quand nous sommes capables, quitte-nous la vie pour nous faire nous servir. Quand le pécat donne-nous la vie, aujourd'hui, l'aide ne va pas donner, l'ifre ne va pas l'argent ne va pas donner, un coup de main ne va pas donner, bon Dieu, j'aime nous donner la vie. Nous avons donné la vie pour nous faire nous servir. Vous voyez, chaque fois que nous la dîme, nous faisons, c'est la vie que vous voulez donner. Parce que ça, vous mettez ton travail. Quand tu as la dîme, c'est ça, vous mettez ton travail. Là, qui peut évaluer en termes monétaires pour que vous nous vendiez. Oh, nous, bon Dieu, de tout jamais. Vous pouvez terminer avec ça? Ah, vous avez terminé. Excuse-moi, mais un petit peu long. Laisse-moi terminer avec ça. Numéro 8. Vous voyez qui le sont dans les histoires 8? Numéro 8. Grand respect pour madame. Grand respect pour madame. Ruth tient un respect pour sa belle-mère, madame. Naomi tient un respect pour Ruth, sa belle-fille, madame. Boaz tient un respect pour Ruth, madame. Boaz tient un respect pour Naomi, madame. Il n'est pas étonnant David pour un grand respect dans son ministère vis-à-vis de madame. Il est pour mieux madame santé, il est pour mieux à l'histoire David, je vous trouver. Même Jésus donne respect à madame. Ma madame qui vient de Jésus. Madame a son garçon mort. Veuve de Naïm. Jésus allait vous guérir. Madame Bébé dit 10 ans. Mort et Marie. Qui on sait, madame, au cours Jésus, le ministre, à sa vente du monde là? Enfin, monsieur, vous avez un respect pour madame. Vous voyez bien que vous avez dit, vous n'êtes pas mort en tant que chrétien, surtout. Pourquoi? Vous le mariez qu'elle. Surtout, vous faites marier, vous avez dit, vous n'êtes pas encore vous le mariez. À ce temps, madame, elle est venue esclave. Ne pas traiter personne comme esclave. Tu fais la voix de Maria, n'est pas si tu fais de la case sur papa, sur maman, sur papa, tu guides bien. Toi, tu fais te traiter comme un esclave. Parce que c'est que je n'ai pas réalisé. Quand devant tes bons enfants, tu peux maltraiter ton madame. Tes bons enfants, c'est un bien apprendre. Et c'est un qui dit, tu peux le faire après. Et que je suis madame. Il va bon. Arrête des histoires rudes. Respect qui boise, tu es un homme vis-à-vis de ce monde. Naomi, en tant qu'une belle-mère,
ils tiennent un grand respect pour ce belle-fille. Tout le monde est dans l'église. Faut les pas ou croire que vos belles-filles c'est un paillasson. Faut les pas ou cause vous avec vos belles-filles. C'est fait du monde ça. En tant que pasteur, parfois, vous avez des problèmes. Là. Pasteur, belle-mère, diamant ça. Pasteur, mon papa, mon papa, c'est beaucoup. Quand la Bible dit, pour que vous pas appeler moi, vous pouvez régler le problème, belle-mère, belle-fille. Amen. Grand respect, belle-mère, là, tiens, pour belle-fille, là. Il faisait comme ça dans l'église. Il faisait comme ça au sein de nos familles. C'est ça qu'il faisait montrer aux enfants aussi. Quand tu mourras, tu as besoin de respect pour ta maman, pour ta maman, pour ta belle-mère, pour ta beau-père. Boaz, c'est leur grand respect pour Naomi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il ne fallait pas nous traiter de maman. Vous êtes jeune, vous pouvez dans les mains, ou qui jeune. Il ne fallait pas encore maman ou travailler. Ma même petite, dans mon assemble, ma prendre sa tasse qui m'a fini de boire, mettre là-bas. Ta maman n'est pas de travailler. Non. Et maman, il ne fallait pas te lire ça dans les affaires. Elle dit, prends ta tasse, mettre là-bas toi-même. Ramasse ton souci, t'as que ça pour ramasser là, ramasse ça. Chaque fois ta maman, Hans, peut mettre l'eau, peut mettre discipline en toi. Les gars paraissent sévères à ce terrain, mais ta maman peut montrer toi comment vous respecter une maman. Et ensuite, tu peux respecter ta belle-mère bien. Chaque fois, Rati peut mettre l'eau avec Gemma. Tu peux dire, ah, ma petite fille, ma maman ne m'a plus beaucoup le vase ou bien non. Elle peut montrer toi comment respecter une maman. Et ensuite, tu peux trouver ton cas respecter ta belle-mère bien. Ton cas respecter une femme pasteur bien dans l'église. Avec tout le monde qui peut rester une femme pasteur, dans le propre cas, je peux respecter pour le propre maman, mais je peux belle-mère. Je ne comprends pas une mauvaise dire. Gloire à Dieu, merci Jésus. On nous a fait mon petit encore. Faut pas ou quoi? Faut pas ouvrir la main au maman ou au papa? Faut pas mari lire la main de sa femme? Faut pas les enfants lire la main de sa maman? Faut pas, il n'est pas bon ça. Gloire à Dieu. Je continue. Faut pas nous faire, comment dire, nos mamans liennent, nos mamans ou bien nous serre dans la case, c'est un sujet de moquerie. Tout coup, nous avons un dialogue pour faire tout le monde rire, l'eau de maman, ou bien tout coup, nous avons un dialogue pour mettre. Ou bien nos filles, ou bien nos mamans, ou bien nos maris, ou bien nos femmes. Non! Le monde qui est une mentalité, madame, c'est un sexe opposé plus faible. Mais tu as des affaires. Et Monica, ça, c'est qu'ils vont dire un diamant. Tu connais? Nous hommes, jamais nous sommes capables de sortir la vie dans nous. Mais madame, qu'a fait? Ou, pour qu'appeler le mari, ou qu'appeler le monsieur, jamais nous sommes capables de sortir la vie dans nous. Bon, j'ai la côte à la grâce, là, madame. Vous avez un honneur, respecter une soeur, un mari, une femme, une maman. Jamais vous pouvez donner naissance à un avis. Donner naissance, on peut vous dire. C'est pas madame qui est dans la grâce, là. Et bon, j'ai la côte à la grâce. Vous pouvez respecter. Amen. D'ailleurs, la Bible dit dans le Nouveau Testament, si la Bible dit, bon, pour répondre, mon esprit de toute chair, mon fils et ma fille, pour prophétiser. Mon vieillard, tout de vieillard, monsieur, madame, tous les bons. Bon Dieu sur l'esprit le tout. Monsieur, madame, amen. Et mon petit Ménor là, et en passant, madame, je clique multitasking qui m'a mis ici. La science, elle prouve ça. Une madame, elle est capable de venir sur le travail, sur le courrier. En même temps, elle est capable de occuper la case. En même temps, elle est capable de guider les enfants sur l'éducation. En même temps, elle est capable de prier et intercéder pour toi. Toi, tu es capable de guider ton courrier avec toi-même. Elle est capable de faire tout ça là. Tout ça même là. On termine avec ça. We need to teach our generation to honor women. On rend grâce à Dieu dans l'église Montagne Blanche, tous les années, dans la fête des mères, tous les années. Qui nous donne une dans l'église? Nous donne une rose. Pas parce qu'il existe pas envie de nous donner une rose. Chaque fois qu'on peut donner une soeur de l'église, une rose, une parraine, je viens devant. Même si mon réunion parle plus loin, plus longtemps, fait rien. Une parraine, je viens devant. Je tiens une photo, je donne une sacrée là. Premièrement, pour vous montrer tout le monde dans l'église, surtout cette nouvelle génération là. Vous avez un honneur, madame. Est-ce que le peuple de Dieu l'a même? Merci Seigneur, merci Jésus. Je vais déjà terminer avec ça, mes 16 ans, l'histoire Ruth. Il y a 8 l'héritage qui sont sortis dans l'histoire Ruth, descendent dans sa vingtaine génération, arrivent jusqu'à côte David. Oublions-nous, prendre les temps, méditons là. C'est dans l'enseignement qui nous aime mettre en pratique. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeah.
serai.